Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que je veux vous tourner cette vidéo, depuis que j'ai le début de la chaîne carrément, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce leurre, sur son animation, comment le monter, etc. Je n'ai jamais pris le temps, vaut mieux prendre le temps, vaut mieux tard que jamais comme on dit. Et en ce moment j'attends vraiment un petit créneau qui s'ouvre pour vous faire cette vidéo au bord de l'eau sans trop de vent. Il y a encore un peu de vent parce que si j'attends encore et encore, je pense que ça sortira pas, ça va se décaler. Donc j'espère qu'au montage le son sera audible pour vous, parce que si c'est le cas, bah, la vidéo elle sort, si c'est pas le cas, bah, je la sortirai pas. Donc aujourd'hui on va parler du X-Layer, mais surtout de la taille Super X-Layer. Le X-Layer est décliné en trois tailles. On a le Tiny X-Layer que j'utilise jamais, que je n'ai jamais utilisé. On a le Super X-Layer que j'utilise à 89% du temps. Et le Giant X-Layer que j'utilise dans quelques occasions en fin de saison, mais mes spots ne s'y prêtent pas vraiment. Mais maintenant que j'ai un kayak, je pense que cet automne vous le verrez en kayak, le Giant X-Layer également. Donc le X-Layer est un slug. Quand je dis slug, c'est un finesse pour parler vraiment à plus de personnes. Donc il n'a pas de nageoire caudale. Donc c'est pas un leurre qui va bouger beaucoup d'eau. Donc ses avantages, vous l'aurez compris, c'est de pêcher finement, de leurrer des poissons qui sont un peu plus calmes, de leurrer des poissons qui sont un peu plus habitués aux grosses vibrations, qui veulent pas quelque chose qui claque, qui veulent quelque chose qui ressemble plus à un lançon, faire des pots sur le fond, faire animer la queue, etc. Donc c'est un leurre qui va vous permettre de sortir de situations très compliquées. Et c'est ce qui m'est arrivé beaucoup de fois cette année. C'est pour ça aussi que je prends le temps vraiment de faire cette vidéo. Je pense que allez, 75% des poissons que j'ai pris cette saison, on est fin juillet, début août, je les ai pris au X-Layer. Donc si j'avais pas eu, bien évidemment, je dis pas que c'est le meilleur leurre du marché, le meilleur slug du marché, le meilleur finesse. Mais moi c'est celui que j'utilise dans mes boîtes depuis de nombreuses années maintenant. Et il m'a toujours sorti de situations très compliquées. Avant je m'en servais vraiment comme un outil, et depuis quelques années je m'en servais vraiment comme un sauve-bredouille. Et vu que cette année ça a été un début de saison, bon je vais pas le répéter encore et encore, hyper bizarre, du coup je me suis beaucoup servi du X-Layer et ça m'a permis de sortir de pas mal de situations et de faire des sessions de poissons grâce au X-Layer et rien d'autre. Donc vraiment un leurre à avoir absolument dans sa boîte. Le X-Layer a un autre avantage, c'est qu'il a un insert en queue qui lui permet de réceptionner un rattle qui claque bien lors des animations. Donc c'est vraiment un petit cliquetis supplémentaire qui pour moi fait la différence également. Je ne pêche jamais avec mon X-Layer sans le petit rattle en queue. Si le rattle, pour ceux qui ne sachent pas, c'est une petite cage en billes, je vais le sortir rapidement, une petite cage en verre où se cachent deux billes en plomb. Mais il y a également en plastique, mais le bruit est un peu différent, je préfère le rattle en verre. L'autre avantage du X-Layer, c'est ces petites anures là qui vont déplacer quand même légèrement de l'eau. Donc ça va freiner un peu l'animation et ça va mettre une petite vibration supplémentaire lorsqu'on l'anime. Et un dernier avantage, c'est son attractant. Il est imbibé et dans la masse, donc vraiment la matière qui est vraiment incrustée d'attractant. Il a une réelle odeur qui sent assez fort. Donc ça aussi, ça permet de, lorsque vous animez, la phase de descente, le poisson qui vient, et souvent c'est des poissons qui sont quand même bien aspirés en gueule. C'est des leurres qui se retrouvent assez rapidement au fond du gosier comme on dit. Donc c'est un petit plus qui permet d'éviter de rater trop de poissons et d'augmenter le rapport, le ratio touche poisson. Donc pour l'X-Layer, il y a deux types de montage. On a le montage du méplat vers le haut ou du méplat vers le bas. Quand je dis le méplat, le X-Layer est monté en deux phases. On a un côté plat sur le dessus et un côté un peu plus en V sur le dessous. Je le monte à 95% du temps, le méplat sur le dessus. Pour l'unique et bonne raison, le fait que ce soit plat sur le dessus, lorsque je vais animer, le plat a de la résistance à l'eau. Donc mon leurre, il ne va pas faire une animation, je vais vous faire face caméra, clac, 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 non. La résistance du plat sur l'eau va le tirer. Du coup, il va faire clac, clac, hop, clac, clac. Et même des fois, il fait clac, clac. Et du coup, ça, c'est imprévisible et ça excite encore plus les poissons. Donc c'est un réel plus de mettre le méplat sur le dessus. L'avantage de mettre le méplat sur le dessous, donc monter le X-Layer à l'envers, c'est que le méplat, du coup, lors de vos phases de descente, va résister à l'eau et du coup votre leurre va descendre plus lentement. Donc c'est un gros plus également. Et l'avantage de pouvoir le monter le méplat sur le dessus ou sur le dessous, c'est que lorsque vous avez déchiré une partie du leurre, que ce soit celle du bas ou celle du haut, vous avez juste à l'inverser et vous avez un leurre qui continue à pêcher. Donc c'est ultra important. Vous mettez un petit point de colle au niveau de la déchirure,
et c'est reparti pour aller une bonne douzaine de poissons avec un X-Layer. Sur le X-Layer, j'utilise principalement 3 TP différentes. Je pourrais en mettre d'autres, je pourrais mettre de la rolling, etc. Mais les TP que j'utilise 100% du temps avec mes X-Layer, dans un premier lieu, la SV67 pour les pêches délicates, les pêches encore plus lentes, cette tête plombée, car il y a un plomb qui avance aussi dans le corps du leurre avec cette tête plombée là, permet d'avoir une descente un peu plus lente. La deuxième tête plombée que j'utilise pour pêcher par exemple dans les obstacles, pour pêcher dans les zones où il y a plus de goémons, pour pêcher quand il y a plus d'algues en suspension, etc. C'est la VJ36 de chez Decoy. Donc là, une VJ36 en 5 grammes avec un hameçon en 2-0. Et la dernière, je pense celle que j'utilise le plus des 3, c'est la Bakourihead de chez Madness. Et pour les grammages, en X-Layer, je pêche de 5 grammes en général et je monte jusque 14 grammes en Bakourihead. C'est ce qui me va sur mes côtes. Après, vous pouvez monter en 18 grammes, vous pouvez mettre même une SV67 en 20 grammes. Mais l'idéal, quand on pêche avec des slugs, des finesses, plus votre hameçon va sortir proche de la tête plombée, plus vous avez de mobilité en queue. Plus il va sortir loin, plus vous allez limiter la nage du leurre. Donc plus vous êtes proche, plus vous aurez de mobilité. Plus vous êtes loin, plus vous bridez un peu votre leurre. Pour les coloris que j'utilise le plus, le Ayu, qui est un coloris passe-partout. Le Secret Ayu, qui est un coloris qui va vous permettre de pêcher les zones de goémons, les zones où le poisson, le bar a tendance à se nourrir de poissons un peu plus sombres, tels des gobies, etc., où il y a plus de rocailles, de goémons, d'herbiers, etc. Le Glow White, quand on commence tôt du matin ou finit tard le soir, ou comme là, là, comme derrière moi, où il y a une mer qui est un peu, entre guillemets, sablonneuse, un peu blanche, etc. Un coloris blanc qui s'en sort mieux que tous les autres coloris et de loin. Le French Wakazagi pour les mers vraiment très claires, pour vraiment me mimer avec le fond, être vraiment discret sur des zones de sable, etc. Un coloris hyper efficace. Et évidemment, le coloris qui m'est fétiche depuis cette année, je vais pas vous dire que ça fait de nombreuses années qu'il m'est fétiche, il m'a fait prendre beaucoup plus de poissons que les autres, c'est le coloris Baby Bass. Vraiment une tuerie. J'ai pris du poisson sur des sols, sur des fonds rocheux, j'ai pris du poisson sur des fonds sablonneux. Le Baby Bass, c'est vraiment un truc de malade. Et avec le méplat sur le dessus, les paillettes sur le dessus et un peu de transparence sur le bas du leurre. Le coloris numéro 1 pour moi cette année, qui peut être pour les nombreuses années maintenant. Vu que j'ai une boutique et que c'est un leurre que je distribue sur ma boutique, habituellement quand c'est pas sur ma boutique, je parle pas du prix, donc je passe par là. Je suis désolé pour tous ceux qui n'aiment pas ce moment, mais c'est ma vie, donc je suis obligé de passer par là. Donc ce leurre-là, vous le trouverez sur ma boutique dans un packaging de 7 X-Layer. De 7 super X-Layer, pardon, au prix de 15,50. Donc voilà, on a fait le petit tour du X-Layer. Maintenant, bon, c'est pas vraiment une mer à X-Layer, mais on veut quand même vous faire des vidéos en animation, quelques plans, vous donner quelques astuces, comment moi j'anime, etc. Et puis après ça, là je pense pas que j'aurai de poissons, ça va être 2-3 minutes d'animation avec vous. Et après ça, je vais vous laisser à la fin de vidéo où c'est des poissons que j'ai pris cette année au X-Layer. Donc on se retrouve tout de suite au bord de l'eau en situation de pêche pour des lancers et pour mes techniques d'animation. Bon, bah on se retrouve pour l'animation. C'est pas vraiment une mer comme vous le voyez à X-Layer. Du coup, là, une mer comme ça, hein. Il n'y a pas de 36 000 solutions. C'est le Glow White que je sortirai. Donc, je vais essayer de, sans prendre de douche, essayer de vous montrer comment moi je l'anime. Ça, vraiment, ça, c'est que ma petite expérience de petit pêcheur hein, qui vous dit ça. Je suis loin d'avoir la science infuse, etc. Mais. Je suis désolé, je vérifie en même temps la mer. Et du coup, je vais vous montrer quelques astuces, comment moi je l'anime. C'est vraiment hyper simple, un truc de malade. Donc ça va se faire soit au poignet, soit au bras, vous verrez. Soit canne haute. Ou soit canne basse. La vidéo spéciale un peu. Et puis voilà. Donc je vais vite faire parce que sinon je sens que je vais prendre ma douche. Donc vous lancez. Soit le plus loin possible, soit sur la zone que vous pensez où il y a un bar, hein, potentiellement. Vous n'avez pas besoin des fois de lancer très loin. Hein. Une fois que vous êtes descendu à la profondeur souhaitée, hop. Donc la première animation, c'est que le poignet qui travaille, regardez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et voilà, en direct. Je m'en doutais, les amis, je m'en doutais. Donc que le poignet qui travaille, on recommence. Et quand je fais que le poignet, c'est pour que le leurre vraiment reste... Quand je fais que le poignet, c'est pour que le leurre reste vraiment tout proche du fond. Vous voyez ? Petit coup de poignet, petit coup de poignet, petit coup de poignet, et ainsi de suite.
Donc là je sais que le leurre reste vraiment à proximité du fond car les petits coups de poignet lui permettent juste de se décoller de quelques centimètres. Il fait juste tac tac, tac tac. Donc là c'est vraiment une petite proie sur le fond qui essaye de repartir, qui n'y arrive pas, qui essaye de repartir, qui n'y arrive pas. Donc l'autre animation que je fais énormément aussi, bon le poignet c'est vraiment peut-être celle que je fais le plus au X-Layer. Hop là, celle-ci je l'ai évité. Donc l'autre animation, là ça va être plus être avec le bras. J'attends cette vague, hop là. Là c'est plus avec le bras. Donc hop, là c'est beaucoup plus ample. Et on laisse planer. Hop hop. Et là on laisse planer. Bannière tendue bien évidemment, parce que c'est là que vous allez avoir la touche. C'est pas quand vous allez animer. C'est hop hop. Et on laisse planer. Ça peut être 3, hein. Hop hop hop. Et vous laissez planer. Et vous laissez planer. C'est une pêche un peu comme on dit à la volée, mais on peut faire à gratter comme ça aussi. Hein. Donc là c'est l'autre animation que j'effectue. La troisième animation, avant que je prenne une autre douche, que je fais au X-Layer. Donc là dans une mer comme ça, ce serait plutôt celle que je fais vu qu'il y a un vent aussi, mais vous l'entendez sûrement pas. C'est que je prends le X-Layer, je lance super loin. Hop, bah, je laisse descendre à 1, 2, 3, 4, 5, ce que je veux et selon le spot aussi. Hein. Et là je me mets canne basse, j'essaie de mettre canne face au vent. Et tac, 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 tac. Et là, je laisse planer. Donc là, c'est une pêche plus dynamique. Pour des poissons un peu plus actifs. Tac, 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 tac. Et je laisse planer. Donc quand je mets mes coups de poignet, je mouline en même temps. Pour vraiment donner de la vie au leurre. Vraiment, le rattle qui claque en queue. Le leurre qui se désaxe de tous les côtés. Et on laisse planer. Tac, 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 tac. Et on laisse planer. Et là, c'est vraiment une pêche assez rapide, quoi. Allez, une dernière petite animation qui prend énormément de poissons X-Layer. Ça va être dur à faire avec le vent et les vagues. Hop. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, selon votre spot, c'est ce que vous voulez faire. Donc là, je prends contact avec le fond principalement pour cette animation-là quand même, ouais. Une petite tirée. Et boum, je sens le toc. Une petite tirée. Et boum, je sens le toc. Une petite tirée. Et sur le top. Une petite tirée. Et sur le top. Donc là, c'est vraiment ce qu'on dit une pêche à gratter. Quoi. C'est un petit bond, on tape le fond. Un petit bond, on tape le fond. Et ainsi de suite jusque bout. Donc voilà, les amis, je pense que cette vidéo a été assez complète. Vous avez maintenant le mode d'emploi pour utiliser ce leurre qui sauve énormément de bredouilles. Mais depuis cette année, je m'en sers vraiment plus à nouveau comme un outil plutôt qu'un sauve-bredouille. Car chaque poisson pris pour moi cette année est un poisson en trophée. Donc c'est pour ça que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est pour ça que je vous partage mon expérience. Et utilisez-le sans modération, sincèrement, et vous verrez. Jamais je ne vous mentirai. Donc vous pouvez l'utiliser sans modération. Vous verrez que quand d'autres leurres ne prennent pas, ce type de leurre, je dis bien, je ne parle pas que du X-Layer forcément. Moi, c'est celui que j'utilise, c'est celui que j'ai sur la boutique également. Mais ce type de leurre fait prendre énormément de poissons. Donc si cette petite vidéo elle vous a plu, pensez au petit pouce bleu pour la douche, ça je mérite bien, hein, le petit commentaire, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à venir sur la chaîne, à regarder et à ne pas être abonné. C'est un petit plus, c'est gratuit. Moi ça m'aide à grandir encore et encore. Donc voilà. Mais bon, je suis déjà content où j'en suis. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et merci énormément pour tout. A bientôt les amis, et merci beaucoup. Super. Fallait que je change, j'avais pas de tape. X-Layer, Baby Bass. Oh, coffret. Coffret, coffret. Super.
Regardez, il est coffré le X-Layer. Plus vite les sphères, plus ça va vite. Allez mon petit, je vais rejoindre ton pote qui est là. Hop là, je l'ai fait. X-Layer Bakuri Head. Coloris Baby Bass. Oh, le gardon. Regardez la taille de ce poisson. Allez, va rejoindre ton petit pote. Minuscule. Oh, ça tape. Oh, il est minuscule. Mais il fait plaisir. Va barboter dans la mare, mare, mare. Un petit calamar, mare, mare. Relax, relax. Faut que je m'en aille vite pour qu'il se déstresse. Et puis... Quand il fait, hein. J'ai trouvé le leurre. Non, pas derrière. Oh, fallait que je le bride là. Plus joli, plus joli, plus joli. Un poisson un peu plus correct. X-Layer, Baby Bass. Donc c'est la pêche, je vais continuer comme ça parce que j'avais pas de tout jusqu'à présent. J'ai eu un petit poisson vraiment dans la nuit noire au Matcha de 85. Et depuis, pas une seule tape, et depuis que j'ai mis X-Layer, les tapes s'enchaînent et j'ai deux poissons. Donc on va continuer comme ça. Magnifique barre de, allez, 45-50. La remise à l'eau. Voilà, un joli poisson, allez. Magnifique.
petit poisson, X-layer dans le courant. Un petit poisson qui se met dans le courant maintenant, c'est gros poisson. Regardez la couleur qu'il a, il est trop beau. Très trop beau. Magnifique poisson. Allez, on va pas tarder. Un poisson qui fait 50 facile. X-layer baby bass encore une fois. Ouais, un peu plus de 50, hein. Bien trapu là. Allez. Magnifique.